Ouais, salut mes purs, c'est Parano, on se retrouve pour ce 7ème épisode sur The Wolfenstein. C'est pas Z, hein, c'est Wolfenstein The New Order, le nouvel ordre. Donc, on est parti. On venait de sauver dans le camp notre ami Dayashu. Vous avez compris quoi? Ah, mais il est vivant lui, pourquoi il s'est pas pris 800 millions de balles? Bon bait? Bon, bref. Moi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve toujours en bonne compagnie, le petit dossier qui le fait bien. Et là, petite dédicace, donc c'est que c'est un petit délire. On va commencer par ça pour la vidéo. J'avais vu ça vite fait sur un stream. Dédicace à Cocarnage, même si je sais que le mec me connaît pas. J'avais vu ça sur une de ses streams. Donc ça m'a bien fait rire. J'ai décidé de le faire en début de vidéo. Donc c'est partail. Que je te vois pas toucher ma beauté sans permission, soldat. Contente-toi de tes flingues et des nazis. Et tu veux pas m'aider? Tu peux prendre les armes et te battre. Quelles armes? Les tiennes? T'étais qu'un larbin de l'armée, à la solde de ce putain de gouvernement américain, tu parles. L'oncle Sam a rallié les troupes, il a envoyé mon père à la guerre et on l'a jamais revu. Mais quand les bombes sont tombées sur nos villes, il a décampé. Il s'est tiré, comme un lâche. Les nazis lui ont demandé de se mettre à genoux et ce cher oncle Sam... C'est pas fait prier pour lécher le cul de ces fumiers, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. J'ai traversé l'océan pour sauver ma peau. Il m'aurait envoyé dans la chambre à gaz, comme tous les autres. Tout ça, ça n'a rien à voir avec moi. C'est pas l'Amérique que j'ai défendue. Ah bon? Quand j'étais gosse, ma mère m'a emmené voir un film une fois, mais on a dû passer par l'entrée pour les non-blancs. Je voulais un hot dog et une limonade, mais les pancartes disaient « On ne sert pas les nègres dans cet établissement ». T'es un patriote? L'archétype du gentil soldat américain qui tue les méchants nazis, mais t'en restes pas moins foutu pantin. T'es pile le genre de mec qu'on appelait pour les lynchages. Tu piges rien. Avant tout ça, avant les Allemands, avant la guerre, chez nous, c'était vous, les nazis. Tu devrais peser tes mots. La violence. Le langage de l'ennemi. Tu vois pas? On est tous frères et sœurs maintenant, non? Hey, soldat! Tu joues? Pretty little girl I chanced to meet and we dance by the light of Buffalo gals, won't you come out tonight? Come out tonight, come out tonight. Buffalo gals, won't you come out? Ouvre. C'est quoi ça? En cet instant, j'ai vu ce qu'un esprit libre peut accomplir, ce que ce monde a refusé de voir. J'ai fait un voyage que personne n'a entrepris. En cet instant, j'étais au pied d'un dieu. Donc voilà, petite dédicace. Très belle parole au début, hein. Franchement j'ai beaucoup aimé. Donc vous avez pas rêvé, je sais pas ce qu'il a pris, ça devait être du LSD ou je sais pas ce que c'est le bordel. Mais d'un coup le mec il était en hallucination complet. Donc voilà, petit délire. Encore une fois, voilà, ce jeu réserve vraiment plein de petits délires comme ça. C'était vraiment un truc de malade, j'ai voulu vous le montrer. Encore une fois, aide Seth à se procurer toutes les pièces qui lui manquent. Truc de fou quoi. Ok, donc il faut aider 7 et bien évidemment il va falloir chercher les pièces dans la maison, quoi, dans l'endroit qui ressemble à une maison. Alors où trouve-t-on toutes ces pièces? Ça, c'est la question. Donc il va falloir encore fouiller un petit peu à droite à gauche. J'espère que ça va permettre de s'entendre. Donc je vais pas vous mentir, cet épisode va pas être assez court, mais il sera quand même normal. Mais après j'irai me pioter parce que sinon demain je vais pas assumer, je le sens, ça va être dur. Je devais recorder deux épisodes,
Mais là, ça partait tellement en cacahuète, quoi. Je voulais vraiment savoir ce qui se passe que voilà, je me suis dit, allez, encore une dernière, ouais, je fais pas le mec. Et du coup, putain, les mecs sont posés partout. J'aimerais bien trouver le bordel. Je sais pas où ça se trouve. Être 7 à trouver les pièces, je suis d'accord, mais. Donc, si le mec est là-bas, par exemple, tout à l'heure au début, il était. Ah, je peux pas d'aussi loin. Si, ah ouais, d'accord, il y a une limite quoi. Bon, c'est pas. Je peux faire encore le cauchemar? Ah oui, je peux le faire quand tu veux en fait. Ok. X m'a montré qu'il y avait 2-3 autres petits secrets à voir. Je ne les avais pas. Lui était un joueur de Wolfenstein 3D, pas moi. Donc j'avais trouvé un ou deux petits trucs. Lui connaissait les 3-4 petites planquettes. Donc je vous conseille d'aller voir sa vidéo si vous voulez voir les fameuses planquettes de Wolfenstein 3D. Même si je pense pas que voilà, ça intéresse des gens. Mais bon, ça peut intéresser quelques personnes. Donc pourquoi pas. Là, je sais pas du tout, hein. Je fouille, je regarde à droite à gauche, je sais même pas si c'est là, si c'est en haut, en bas. Ah, c'est quoi ça? Dans le hangar, je parie qu'il bricole sur ses hélicoptères. Donc voilà. Comme ça, on est fixé. Youpi! Qu'est-ce qu'il vous faut? Je cherche le chalumeau, tu l'as vu? Ah, ouais, En fait, je l'ai fait tomber dans l'eau en essayant de réparer la rambarde au-dessus de la fontaine et j'ai pas encore pu aller le repêcher. Vous pourriez essayer? Allez voir près de l'entrée de la fontaine. J'ai fait tomber le chalumeau dans l'eau. Il est sérieux, lui? On dit qu'il a été hospitalisé après une blessure. Mais. Chut, c'est lui. Et de quoi vous parlez, bande de chacals là, je vous. près de la fontaine, mais de quoi tu me parles, bébé? C'est le mec qui l'appelle. De quoi tu me parles, Wyatt là? Je comprends pas, elle est où ta fontaine? Allez, le pêcher près de la fontaine. Donc là, je suis complètement à l'ouest, je sais pas du tout où c'est. Il s'en bat la race. Peut-être je suis passé devant comme un con, mais je cours dans tous les sens donc je vois pas du tout où c'est. Ah non, c'est pas du tout là en fait, d'accord. Oh putain, t'es sérieux? Oh, il a fait un blocage là, j'ai pas compris. J'ai un petit souci en fait avec Tab, quoi. À chaque fois que je fais Tab et que j'enlève, ben le perso il veut pas avancer, quoi. C'est bizarre. Excuse-moi, je voudrais pas te gêner en pleine réflexion, mais je dois ouvrir cette porte. Ah, mais tu me déranges pas. Non, je pense seulement à des trucs que je préfère oublier. C'est si horrible. Oh, je me dis que je devrais avoir le cerveau en miettes après avoir vu tout ce que j'ai vu. Pourquoi c'est pas le cas? Ben, je sais pas. Peut-être que ça a déjà commencé sans que je le sache. On change tous. Peu importe qui t'es, ce que t'as dans le buffet. Tu vois, toi et moi, on doit juste chevaucher la tornade et peut-être en sortir entier. Et tuer tous les nazis. Et tuer tous les nazis. Je trinquerai avec toi pour fêter ça, une fois que le moment sera venu. Ça marche. D'accord, quand tu parlais de fontaine, il parlait de la fontaine par où on est rentré, d'accord, ok. C'est bon ça. Petit truc. J'ai l'impression que dans ce jeu tout le monde est immortel ou je comprends pas. Le Renoir là il s'est pris bon bait, il s'est pris je sais pas combien de bastos, il est pas mort. Moi je me prends des couteaux à tirer l'arigot toute la journée, je meurs jamais. Je comprends pas. Donc, faudra qu'on m'explique. Il y a un petit souci quelque part ou. Merde, putain mais quel con. J'ai même pas vu qu'il était pas dans le bon mode. Et ben voilà. Oh merde. Ok. Ich
konnte wegen des Lärms nebenan eine Weile nicht einschlafen. Am nächsten Morgen waren sie weg. Die ganze Familie. Einfach so. Was haben sie getan? Keine Ahnung. Ich wüsste nicht was. Wir dürfen nicht auffallen. Nur eine verdorbene Frucht und der ganze Korb ist hinüber. Chelou leur petite discussion là. Brebis. T'as une belle de brebis toi. On se retrouve à chaque fois confronté à... Merde. Pourquoi tu peux monter là si tu peux rien faire? D'accord. Ok. Il y a peut-être un truc. Ah. Normal. Normal, nigueux. Ça. D'accord, ok. J'avais pas compris le truc. Je suis à combien? Je suis à 11 sur 20. Ah, ça va, j'ai bien fait tout à l'heure. Hein. Je pourrais en faire plus, je crois encore. Hein. Faudrait que j'en fasse plus, du moins. Là, mais je vois pas où ils sont. Ah, c'est juste pour recharger, ok, bon, je le saurais. Je sais pas pourquoi j'ai tiré dessus, hein. J'ai vu que je pouvais tirer dessus, j'ai tiré dessus comme un âne, je vous le dis. Je sais pas à quoi ça sert. Ah, peut-être pour les écraser, non? Ça pourrait être rigolo, bordel. Genre le mec qui passe, je l'écrase. Il y a des gueux. Où ils sont, hein. Je sais pas, t'entends des mecs parler, tu les cherches et tout, mais non, non, c'est des les fantômes, les mecs, c'est Casper. C'est parce quoi là? T'es sérieux? Sérieux, frère? What, 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 what? Mais t'es pas sérieux, gros? D'un coup, deux gros trucs qui débarquent comme ça. C'est quoi ce délire? Tankation, merci monsieur, au revoir. Bon, ça, j'en aurais besoin dans quelques secondes. Je vais me tailler, moi, vite fait, ouais. Tu peux même pas remonter. Ah oui, je crois qu'ils ont un point faible, c'est sur le... Pas derrière, ils ont un point faible. Et comment je fais maintenant? J'ai mis des coups de couteau. Coucou, couteau. Ah oui, c'est vrai, faut attendre que ça se recharge.
Ah ouais, carrément, j'avais pas vu ça. Salut. Espèce de trou du cul. Ah, j'aurais pu leur faire tomber les choses dessus, putain. Eh, excusez-moi, franchement, je suis un peu fatigué, je percute 100 ans les choses après. Mais, D'ailleurs, tu m'as saoulé, hein. La vérité, tu m'as saoulé. Excusez-moi, je parle à mon chat, elle me fatigue, ce... Cette chatte-là, elle m'en fout, quoi. Putain, elle attend que ça soit minuit, 1h, 2h du matin pour commencer à s'amuser avec des balles, des trucs et tout genre. Et là, j'ai... elle me tourne autour, j'ai envie de la brouiller. C'est pas bien, faut pas faire du mal aux animaux. Hein. Ok. Ricochet. Elle a l'air de rien, franchement, les petits passages, petits regrets pour le moment du jeu, on viendra, on en parlera à la fin, j'espère que ce sera pas tout long comme ça, mais petits regrets, d'accord. Du jeu, c'est qu'il y a pas mal d'infiltrations, l'air de rien, je croyais que j'allais m'attendre vraiment à un jeu du début de A à Z, bon on peut pas non plus, il faut qu'il y ait une histoire. Hein. J'avoue, on a fait tout ça pour un chalumeau. Excusez-moi, c'est que mon alliance, je l'ai perdue. Je l'ai perdue sur le chemin du retour. Elle ne vaut rien, mais c'est le dernier souvenir que j'avais de mon Sébastien. Ok, j'ai compris. Faudra retrouver une alliance, quoi. Après, je sais pas par où on est passé, là, quand on est revenu te voir. Donc, faudra trouver une alliance. Oh, le bordel, quoi. Eh, ils m'ont pris pour un détective. Ils sont fatigués, ou quoi. Bon, je sais qu'il faut que j'aille revoir le 7. Putain, ils rendent fou, hein. Bon, allez, c'est pas grave. On essaiera de la chercher plus tard. T'en tomberas dessus. Arrête de chialer, bébé. Si on veut voler un sous-marin nazi, il faut que cette réparation soit rentable. Donne-lui et lui. Tout ce qu'il faut. Oh, attendez. Pourriez-vous transmettre ce mot à Anya? Elle aura besoin de la fréquence du transpondeur pour le suivre. Ouais, c'est un truc de cul, je te défonce. Prends pour le garçon de course. Ah, mais voilà, tu vois, il pense pareil que moi. Hein. Ouais, tu peux pas te lever, elle était juste là, gros. William. T'aurais un moment? Schon wieder mit dieser Unsinn. Mein Gott, was ist nur los mit dieser Leute? Voilà ce que je veux. Avec toi. Comme ça. À jamais. On y arrivera, William. Promis juré. Finissez vos petites affaires, on va partir. Mais pas tout de suite. Écoute ma voix, Blazkowicz. Là où tu es, dans les tunnels d'égout, l'appareil intestinal de la ville. Et plus profond encore, les catacombes de Berlin. Un vaste complexe. Le site le plus sécurisé de Berlin. Le stock central de munitions du régime nazi. On pourrait faire tant de choses avec ces armes. Émeutes, révoltes. Cette voie d'accès est bloquée par les eaux. Impénétrable aux étrangers. Il n'y a qu'un seul moyen de forcer le périmètre. C'est un glisseur sous-marin. Les nazis s'en servent pour la maintenance. Il nous a fallu des années pour le remettre en marche. C'est la première étape du plan pour accéder à la cachette sous-marine de Sept. Utilise le glisseur pour trouver un accès de coups d'armes dans les catacombes de Berlin. Anya suivra ta position grâce au transpondeur et elle te fournira des informations tactiques. Bonne chance, Blazkowicz. Ces eaux sont dangereuses. William, tu m'entends? Tu vas devoir traverser les tunnels des égouts pour atteindre les catacombes de Berlin. Je vais essayer de te guider. Ok. Oh, rien que la tamponne lui, oh. Et en plus en mode sauvage. Hein. Genre normal, sur la table, allez viens, on y va, bim bam boum.
comprenais pas comment ça marchait en fait pour tourner, je croyais que c'était ça, mais en fait non, ça c'est... Ok. Tu devras peut-être descendre du glisseur pour supprimer les obstacles qui te barrent la route. Mais n'oublie pas où tu l'as laissé. C'est ta seule source d'oxygène. Les obstacles? Quels obstacles? Putain, c'est chelou à contrôler ce truc. Ah d'accord. J'étais un gamin et la vague rouge arrivait. J'ai désobéi à mon père et je me suis plongé dans l'eau. C'était comme si ma peau était en feu. C'était comme si ma peau était en feu. Tu es juste sous la prison d'Eisenwald. Caroline m'a dit que quelques prisonniers avaient essayé de s'évader par les égouts avec des objets de valeur il y a quelques années. Ils ne sont pas allés très loin. Je peux pas changer le mode. D'accord. Attends. Je vais respirer moi, madame. Bon, c'est un petit peu le bordel, hein, contrôler. Ah d'accord, ok. Donc je dois le stopper là. Laisse-moi passer. Oh, le truc l'a fait le câble. T'es sérieux, gros? Allez, vas-y. C'est le mec. William, il y a quelque chose que je voudrais te dire. Je suis enceinte. Je suis en train de lire un journal que m'a donné ma grand-mère. C'est celui de ma cousine Ramona. Elle travaillait avec nous à l'asile. Elle est morte depuis. Mais elle protégeait de nombreux secrets. Comme elle ne pouvait se confier à personne, elle a tout mis par écrit. Je vais t'envoyer les messages radio dans ton journal. Tu pourras les écouter si tu en as le temps. Si j'en ai envie, surtout. Ok. Point. Dans laquelle tu te trouves est désaffectée depuis longtemps. Mais certaines machines sont peut-être toujours en état de marche. Ok. Si tu tournes trop la tête, il te plonge. Et je l'ai fait deux fois, hein. Je le dis, je le fais, quoi. C'est juste parce que je veux voir sur le côté, putain. C'est moi qui fais ça, il fait pas ça le perso. Ok. Parfait. D'accord, bordel. Il est où le truc là? Ah, le trou il est là, ok. Ok, le dead. Pas mal de cours d'eau dans ma vie. Aucun aussi froid que celui-là. Franchement, je m'aventure un peu à droite à gauche, mais je sais pas du tout là. Je peux aller là-dessus là ? Attends, parce que là il y a un truc là-bas, ça mène où ça? Trop curieux la parano là. La curiosité me tuera. Et pour le coup j'ai trouvé un truc en or. Yes. Je suis curieux, hein, désolé les gars. Franchement, je vous l'ai dit, hein, je fais le jeu, c'est de bien le faire. Tant c'est la sortie, mais je pense pas. Essaie de trouver un mécanisme permettant de remplir le bassin. Le niveau de l'eau doit être au maximum pour que tu puisses traverser.
D'accord, ok. Donc avant d'aller là, donc de toute façon, quoi qu'il en soit, je serais passé par là, j'aurais trouvé le truc. Ok, donc ça servait à rien. Allez, nage. William Blasco. Blaskowitz. Bon, il paraît, il y a un robot là, il y a des robots. À double gun et tout. Ça rigole plus. Il y a plein de mémos à chaque fois, je les lis pas parce que voilà, j'ai eu. C'est bon, je vais pas m'amuser non plus. Hein. Mais ça peut être. Oh! Et ça m'a cagué dessus là, j'ai pas compris. Ça passe quoi? Je voulais voir s'il y avait un secret chic. Ouais, un code. Comment j'arrive là-bas? Comment j'arrive? Oh Naya! Ouais, me casse la tête ce chat, je vous jure. Putain, il y a un truc de code, fais chier quoi. Bon. Naya! Peut-être là. Je peux tirer mon arme. Chut! Excusez-moi, hein, franchement. Oh! Putain, je sais plus où je l'ai mis maintenant, mon bordel là. T'es peut-être vers là? Ou pas? Ah non, mais attends, ça c'est. Il est toujours là, ah bah voilà. Ah, mais du coup, peut-être que je peux passer par là, non? Si j'arrive à monter. C'est quoi ce truc? Y'a pas moyen. Y'a pas un bouton éjecte? Ça va aller. Hein. Oh, il est un peu lent le truc, il a pas de la nitro ou. Ok. Ouais, prends-toi les murs. C'est cool. C'est quoi ça? Il va falloir que j'y aille comme ça la nage. Ok, c'était juste pour prendre. Ok, bon comme ça on l'aura pris. Je reviendrai plus par là. Par contre, moi il faudrait que je passe par là. Par contre, il faudrait que je trouve... J'ai l'impression de faire de la merde quand même, hein, mais de la belle merde comme il faut quoi. Là je repars en arrière, non? Je sais même plus, je me suis perdu, voilà. Oui, je repars en arrière. Moi, j'ai débarqué de là. Ok. Maintenant, il faut que j'aille tout droit. Mais je fais le tour, c'est quoi ce délire? Ça va. Non, ça va pas. Franchement, je comprends que dalle, quoi. T'es sûr que c'est trop trop simple, bordel. Il faut que j'arrive à faire monter le loup. Ah oui, je suis con, du coup je peux passer avec la machine là, non? Ah
En fait, c'était tout con en fait. Fallait pas que je fasse le tour. C'était juste là depuis le début. En fait, fallait juste faire monter l'eau pour monter le truc sur la plateforme. J'ai fait tout le tour et tout pour rien. Oh putain! J'ai traversé le lac Forni à la nage pour gagner à Paris. Mais il y faisait moins sombre. Bloqué. Je dois trouver le moyen d'accéder à l'entrée. Il y a peut-être un moyen en fait. Si je fais péter la mine, que la mine avec le courant, ou je sais pas s'il y a du courant, non, mais. Si, il a l'air d'avoir du courant. Allez, rapproche-toi. Je comprenais pas pourquoi il y avait une mine en fait. J'allais dire, c'est vraiment des chacals de faire ça. C'est les moments comme ça, par contre, ça c'est des trucs que... Allez, monte! Je suis emporté par le courant, quoi. Sérieux, y'a que dalle. Ok, petite séance de crochetage. Bon, cet épisode, il aura pas été très fameux en termes d'action, quoi. Y'a rien eu, même. Ça fait combien de temps? Ça fait 32 minutes, ça? Ouais, quand même. Et en fait, j'ai fait quoi en fait? C'était tout ça pour prendre cette pièce en fait. Ok. À 19 ans, j'ai plongé dans le puits pour sauver la montre de mon père. Mais c'était bien moins profond. Mais pourquoi il raconte tout ça depuis tout à l'heure? Mais genre. Pas compris là. Oh, le jeu il avait bugué. Mais violent. William, les catacombes sont juste au-dessus de toi. Il y a un ascenseur qui te conduira directement au dépôt d'armes. Il aime trop se mettre des décharges, ce mec. Il s'est passé quoi? What? Mais il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? J'ai pas compris. J'ai rien fait. Oh, j'ai rien fait, les oiseaux, c'est un truc de fou. William, les catacombes sont juste au-dessus de toi. Et il y a un ascenseur qui te conduira directement au dépôt d'armes. Bon travail, Blazkowicz. Tu as réussi à t'introduire dans le dépôt d'armes. C'est la seconde étape du plan pour accéder à la cachette sous-marine de Seth. Un train de marchandises dans l'un de ses entrepôts de munitions. Il est rempli d'armes à feu, d'obus, de torpilles. Tout un arsenal destiné à alimenter la machine de guerre nazie. Tu vas voler ce train. Les armes à feu pourront nous servir à renforcer nos combattants. Mais notre priorité est de sécuriser les torpilles. Elles te permettront de prendre le contrôle d'un sous-marin nazi. Mais chaque chose en son temps. Vole le train. Ok, on va voler le train. Qui modifie la fréquence du rayon pour lui permettre de toucher toutes les cibles mécaniques à proximité de sa trajectoire. Ok, c'est un truc de fou ce. Et conduis-le à la gare souterraine abandonnée au nord d'ici. Notre équipe t'attendra là-bas. Klaus ira plus quand tu le rejoindras. Ok, ils veulent que je vole un train quoi. Mais rien de plus normal. Avec plaisir, quand vous voulez, tous les jours. Il me cague à chaque fois avec ce bruit là. Ok. Séance infiltration. Et j'ai fait me faire griller direct. Quête de garde.
Amici. Fail, t'es sérieux, tu peux pas monter ça, gros? Je vais chercher mon couteau. Ok. Oh putain, je crois que j'avais vu dans la tête. Quel con. Il est où? Oh! Je sais, je peux changer, mais j'ai envie de faire ce putain de défi avec l'arme. Bien que je pense que je le ferai pas à couvert, genre à chaque fois se mettre à couvert pour. Quoi que y a moyen. Sors ta tête, putain. C'était le colonel? C'était le commandant, je crois. Putain, j'ai buté le commandant comme une merde. J'entends un mec. Il est où? Bon. Et en même temps c'est bon quoi, vous allez pas me faire faire que des scènes d'infiltration depuis tout à l'heure on en fait. Laissez-moi tranquille, là j'aime. J'ai envie de me défouler là. Ok. Donc pour tous les gens qui disent ouais c'est bon. Oh putain. Ok. Il compte plus ce bâtard, il a le. Oh, il fait super mal, oh. Le mec. LOL. Waouh waouh. Oh, vous avez vu quoi? Les mecs ils sont morts, ils se sont pris la porte. Ok. On a combien? On a 40 minutes là. Bah, 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 bah. Et le temps il passe trop vite, c'est abusé quoi. Putain. Non, c'est bon, je veux plus ce truc là, ça m'a saoulé, c'est trop lent. J'ai envie de courir un peu. Ok, je trouvais un petit truc, ça a l'air sympa. Je pense qu'on va se faufiler vers là-bas. Alors déjà. Notre équipe est en position près de la gare désaffectée, au nord de ta position. Ils te retrouveront sur place. Oups, je t'ai désintégré. J'aime trop ces double guns.
t'es à lui, il m'a fait flipper, j'ai même pas tiré sur le mec et tout quoi. Oui, j'ai bien fait de passer par là, j'ai eu quoi? Un shotgun! J'adore le shotgun, les gars. Si vous l'avez pas compris, ou. Ça lui fait rien! Bah ouais, comme un con. Mais oui, évidemment! J'adore le shotgun, mais le shotgun! Il faut le front avec le shotgun. Et je me suis fait dessoudre. Évidemment, je croyais que ça allait le paralyser, mais pas du tout en fait. Parce que c'est lui-même qui le contrôle. Quel débile. Bon, on va essayer de le faire. C'est du n'importe quoi. Donc j'ai couru après tout le monde juste pour recharger mon putain de gun de ouf. Donc là il y a de tout, hein. Des robots, des petits, des gros. Toi j'étais décapité. Toi aussi t'as pas aimé. Foy. Pas des frères comme ça. Ça a été un son encore. Ils sortent d'où tous ces bordels là? C'est un truc de fou quand même. Oh putain, il arrive. C'est un truc de malade ou pas? Ouais, c'est un truc de fou, les mecs ils meurent pas. Donc j'arrive à voir son dos mais. Oh là là, ils sont. En plus, il y a son cousin quoi. Tu le vois pas, le con. Je sais qu'il faut te recharger. Bon, je pense après ça, j'arrêterai la vidéo. Voilà. C'est bien, tourne-toi, c'est bien. Vous voyez, quand ils se tournent de suite, c'est pas pareil. Leur point faible, il est dans le dos, quoi. Il est dans la nuque. Mais le problème, c'est vas-y pour avoir la nuque, quoi. Oh, mais tu vas mourir, cousin. C'est le mec qui se serre et tout, c'est bon, merde, wesh. T'as pas appris à mourir ou quoi? C'est bon, gros. C'est quoi ce délire? Foiré. Elle est où ton arme? Donne-moi ça. Je vais te montrer comment on l'utilise. Eh ben putain, gars. Bon allez Yeah ben. Ok. J'ai pas compris pourquoi elle a pris ses armes, j'ai pas voulu prendre ça. Ah oui, mais quel con, il fallait voler le train. Et le truc est là. L'heure, capitaine. C'est d'enfant, non? Non. D'accord, bon. Mettons-nous au travail. J'ai une connaissance qui livre au chantier naval. À la Nordenhorst.
schon, nimm nicht so viele Kissen, sonst merken die, dass etwas nicht stimmt. Ja, ja. Fournisse des torpilles à tous les sous-marins nazis d'Europe. Tu cacheras dans cette torpille-là. On se la remettra avec le reste. Et tu te réveilleras à bord d'un sous-marin pour le petit déjeuner. Le sous-marin rejoint la cachette de 7, compris? Si un marin te tombe dans les pattes, pan pan clic boum. Vous respirez? Ok, Coral, Johnny. Rentre dans la torpille. Une fois à bord du sous-marin, plaque ce truc dans la salle du poste radio et déploie les balises radio. On reste en contact. Le noir des rêves s'estompe. Il semble si loin. Je veux retrouver la lumière. Pan pan clic boum. Donc nous, avant de retrouver la lumière, on va s'arrêter ici. Donc j'espère que vous aurez aimé cet épisode. N'hésitez pas à le partager et à me le faire savoir si vous avez aimé dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de tourner sur ce Wolfenstein. Donc petite mort là, entre temps j'ai baissé le niveau parce que genre j'ai voulu faire le mec, je passe en difficile, mais en fait je me suis fait dessouder, donc je suis revenu en normal. Donc moi je vous dis à très très bientôt. Merci de l'avoir regardé encore une fois. C'était Parano, à bientôt, peace.